L'enfant terrible a la literatura francesa passa per Barcelona sota grans mesures de seguretat. Michel Houellebecq ha d'anar amb escorta des de la publicació de la seva darrera novel·la, que va coincidir exactament amb el dia de l'atemptat de Charlie Hebdo. A Submissió planteja una França governada el 2022 per un president islamista. Aquest cop, la polèmica ha vingut per aquí. Tot i així, ell manté que aquest no és un llibre sobre l'islam. Non, c'est pas un livre sur ce qui peut arriver, c'est un livre sur les peurs françaises. Mm-hmm. Les bois en trinquant. À votre santé. Merci. C'est pas un livre. Vous savez, là, bon, moi j'ai beaucoup lu science-fiction quand j'étais jeune, et d'anticipation, ou politique fiction, un peu moins, mais ça parle pas forcément de ce qui peut arriver, ça parle. Ce que les gens imaginent ou craignent comme futur. C'est une littérature qui explore des. C'est pas de la prospective, quoi, c'est de l'exploration des. Ce que les gens ont dans la tête sur leur futur possible. Effectivement, une islamisation de la France, c'est un futur possible que les Français ont dans la tête. On parle aussi dans le roman. Donc on se prononce pas de savoir si c'est probable, plus ou moins 50, 60%, mais c'est un. Potentialité mentale. C'est comme, quand Orwell écrivait 1984, il pensait pas réellement que l'Angleterre allait devenir stalinienne. Mais c'était une des peurs des Anglais. De devenir un régime de type stalinien à l'époque. Donc on explore des peurs aussi. On parle de ce qu'il y a dans la tête des gens, quoi. Pas forcément de. On n'est pas futurologue, mais on est explorateur de ce qu'il y a dans la tête des lecteurs. Est-ce que vous croyez que ces peurs que vous décrivez peuvent être à l'origine de plus de foi, d'un retour un peu à la religion ? Non. Non, ça suffira pas. Disons que le contact entre les Français et les origines chrétiennes, ça vient pas de la peur, enfin. Si les gens se remettent à devenir catholiques, ce sera pas à cause de la peur. Ce sera pour d'autres raisons. Mais vous savez, il n'y a pas de vraie rationalité dans ces choses. Il y a des mouvements de foi ou de non-foi qui se produisent et finalement, ça serait totalement. Chercher des explications est un peu vain. Enfin, en plus, moi, ça ne me sert à rien de savoir pourquoi les choses se passent. Je suis là pour décrire ce qui se passe. Savoir pourquoi. C'est le travail d'autres gens, des historiens, des gens comme ça, bon, qui produisent après coup des théories pour expliquer pourquoi les choses se sont passées, plus ou moins convaincantes, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, c'est pas du tout ça que j'essaye de faire, c'est juste de dire ce qui se passe, sans chercher d'explication. Donc je suis observateur, pas vraiment théoricien. C'est ça ce que doit faire un écrivain ? Oui, faut pas être trop ambitieux intellectuellement. Ah bon ? Non, pas trop. Pourquoi ? Parce que ça vous limite. Si vous voulez comprendre les choses avant d'en parler, vous n'en parlez pas parce que il faut accepter de parler des choses qu'on ne comprend pas. D'écrire les choses dont on ne comprend pas vraiment la raison, mais simplement parce qu'on les voit, qu'on les sent. Donc il faut fonctionner beaucoup l'intuition. Sinon, si vous attendez d'avoir tout compris pour commencer un livre, vous ne commencez pas, quoi. C'est pas la même discipline que sociologue ou historien, quoi. C'est plus intuitif, plus injustifiable. Il y a à peu près une quinzaine d'années, je crois que c'était, vous avez dit que l'islam était
la religion la plus stupide qu'il le plus qu'il con. Soit. La plus con, pardon. Ouais. j'ai fait ça un peu trop doux, alors. Ouais, la religion la plus con qu'il y ait. Après cette quinzaine d'années, après avoir écrit Soumission, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Bon. En gros, la même chose, sauf que j'ai... Mais vous en avez parlé pendant tout un roman. Oui. Pas non. Non, il n'y a pas de musulmans dans ce livre. Il n'y a que des gens qui utilisent l'islam pour leurs ambitions personnelles. Ce qui est différent, hein, j'ai dit ce qui est vrai, qu'à un moment donné, Napoléon aurait pu se convertir à l'islam. Il y a songé, pendant la campagne d'Égypte. Il a... Vous connaissez Napoléon, l'histoire, c'est intéressant, mais... À un moment donné, en Égypte, il a un peu poussé en Syrie. Hein. Il s'est dit qu'il allait former une armée musulmane pour essayer de refaire le truc d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire pousser jusqu'à l'Inde et éventuellement jusqu'à la Chine, si possible. Il a laissé tomber le projet, bizarrement. Donc, il est revenu en France pour remettre l'Europe à feu et à sang, pour essayer d'établir un empire européen. Mais ce genre de gens se convertissent à la religion qu'il faut, enfin ils s'en foutent quoi. Et la religion pour eux c'est un moyen de faire agir les hommes, et c'est vrai que c'est un des moyens les plus efficaces. Donc c'est des ambitieux politiques, et les personnages de mon livre sont comme ça, sont pas des musulmans. Il n'y a pas vraiment de personnages de musulmans dans mon livre. Donc ça parle de l'islam superficiellement en fait. C'est pas le vrai sujet. Par contre, la polémique vient un peu de ce côté, non? Est-ce que vous la comprenez, la polémique? Oui, très bien. Très bien. Tous les Européens ont peur de l'islam. Et mon livre est très, très malsain. Très malsain, parce que c'est pas une soumission douce. Mais c'était fait pour être malsain. Pour être insidieux et malsain. Vous cherchiez ça? Oui, je cherchais un malaise général. Je cherchais à provoquer le malaise, j'ai assez bien réussi. Oui, vous devez être ravi. Ça a dépassé mes espérances, dirais-je même. Vous aimez être polémique? Bon, parfois il faut. En l'occurrence, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que... Donc le discours, l'opinion qui prévaut, qu'on est censé soutenir officiellement, est quand même trop bête. Quoi. Enfin, trop éloigné de la réalité. Plutôt être bête, c'est plutôt un avantage, mais... Vous savez, c'est l'idée, les gens ont leur foi privée, sympathique, ils ont leur... les musulmans font le ramadan, c'est sympa, les chrétiens font Noël, c'est sympa. Tout ça est très sympa et se résout dans une république laïque encore plus sympa, qui admet tout joyeusement. C'est pas du tout ça, la réalité. La réalité, c'est que les religions ont des conséquences politiques et tendent à avoir des positions politiques et à prendre le pouvoir si possible. Aussi bien le catholicisme, quand il était encore énergique, une religion qui visait à contrôler l'ensemble de la vie des gens. Et l'islam aussi, l'islam qui est encore suffisamment dynamique pour essayer de le faire, a des conséquences politiques. Donc il y a bel et bien des systèmes en lutte. Donc c'est désagréable. C'est une vérité désagréable. En fait, je crois qu'il y a une citation dans le roman qui dit ça, non? De l'ayatollah Khomeini.
Oui, si l'islam n'est pas politique, il n'est rien. Exactement. Mais de toute façon, les gens, ils savent quand même que ce n'est pas que ça, ce n'est pas que le ramadan, ce n'est pas que Noël, parce que non, c'est pas vrai. Ils ont bien peur, vous l'avez dit. Les gens font semblant de croire que c'est des coutumes amusantes et que tout le monde aime, est humaniste au fond et aime les gens. Et qu'à part quelques coutumes folkloriques, amusantes, tout le monde... Mais, ça reste l'idéologie officielle en France. C'est en train de partir en lambeaux, hein. Clairement. Dans mes livres, ça part en lambeaux de manière particulièrement spectaculaire. Donc, évidemment, on en veut. Est-ce que vous êtes religieux, vous, monsieur Houellebecq ? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup ? Non. Ça s'explique comment, ça ? À Noël, ou... Non. Non, en principe, je suis agnostique. Donc je vais à rien. Je suis pas aux cérémonies religieuses, mais... Et vous ? Non plus. Ah oui. Mais est-ce que vous voudriez... Vous en souffrez ? Ben justement, j'allais vous demander ça. Ah oui, est-ce mais allez-y, vous... répondez d'abord. Vous en souffrez ? D'accord. Parfois, oui. Quand ça ? À Noël ? Pas tellement à Noël, mais quand je perds quelqu'un d'important pour moi, par exemple. Ouais. Ça vous est arrivé récemment, non ? Oui, malheureusement. Ah ouais. Ouais. Donc je me demande, ça doit être bien d'avoir un confort dans la sûrement, religion. Sûrement. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous voudriez être plus religieux ? Oui, j'aimerais bien. J'ai lu quelque part, je crois que c'était récemment, vous disiez que votre athéisme n'avait pas supporté... Pas tout à fait, non. ...des pertes importantes pour vous. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ça ? Non, mais c'est comme vous, c'est pareil. Dès que les gens meurent autour de vous, vous dites c'est quand même triste que les gens meurent. Quoi. Vous voudriez qu'ils vivent éternellement, qu'on se retrouve dans le paradis et tout ça. Ça, c'est... L'idée est séduisante. Donc du coup, l'athéisme, oui, on prend... Enfin, je sais pas, c'est triste, quoi. C'est triste, une vision du monde qui est triste. Puisque quand on considère que la religion catholique permet de pécher autant qu'on veut, quoi. On est pardonné à chaque fois, en fait. C'est pas si invivable. L'athéisme, c'est plus invivable ? À long terme, oui. Quand les morts s'accumulent autour de vous, l'athéisme devient de plus en plus invivable. Et plus on vieillit, plus on connaît des gens qui meurent. Ça, c'est inéluctable. Vous vous êtes aperçu récemment qu'il y a une fin ? Oui. Mais c'est à force de voir des gens mourir. C'est un bon entraînement, quoi. Au début, on se dit pas vraiment qu'on va mourir, hein. C'est à force de voir des gens mourir, on se dit, ah oui, mais... effectivement. Effectivement, se mourir. Ben, nous, on se sent concerné peu à peu par l'événement. Et puis finalement, c'est pas... Ben, c'est super triste. Hein. Pas tellement qu'on meurt, mais que les gens meurent, c'est super triste. Est-ce que ça vous a inquiété quand vous avez réalisé, à partir de la mort des autres, qu'il y aura... La mienne, non, toujours pas. Ça m'inquiète toujours pas. Je m'en fous, en fait. Mais certainement, maintenant, quand je vois des gens... parce que je connais des gens assez âgés, quand même. Je me dis, peut-être qu'ils vont mourir bientôt. Enfin, ça devient... De temps en temps, j'ai des obsessions comme ça. Je me dis, peut-être, c'est... Et je saisis que certains des gens que je connais vont mourir avant moi. Donc ça serait que ça rend ça une tonalité assez sombre à la vie, à partir de certains âges. Donc on est entouré de futurs mourants qui vont probablement... Ce qu'on peut exprimer plus brutalement en disant que votre futur est composé d'enterrements. Assister à des enterrements va être une de mes grosses activités des années à venir. C'est là que la religion serait bien utile. Claro que si.
Mais est-ce qu'on peut choisir de devenir religieux? C'est une très bonne question. Beaucoup, beaucoup traité par Pascal en son temps, qui affirme que oui. C'est genre, faites semblant d'être religieux, la foi viendra, du coup. Vous avez essayé, vous? Pas vraiment, mais c'est pas le temps, pas le temps, mais... Le personnage principal, il parle souvent de cet auteur, de Wismans, et au début, il en parle, il parle de lui, il dit, c'est quelqu'un de qui j'aurais aimé être ami. Oui. Vous parlez de la littérature comme une forme de connexion. Certainement, entre... ça marche. C'est stupéfiant quand on lit un auteur, un bon auteur. C'est que le patient a l'impression qu'il a goûté d'eau dans la pièce. Enfin, c'est ça que fait la littérature. Et c'est, ça, c'est stupéfiant, ouais. Vraiment. L'impression que la personne est là, à côté de vous, qu'elle vous parle. C'est hallucinatoire comme effet. C'est que la proximité avec un autre être humain, comme ça... Ça, moi, franchement, s'il n'y avait pas les livres, je serais déjà mort. C'est extraordinaire, quoi, tout ce que ça vous offre. Comme ouverture sur des pensées de gens morts il y a longtemps, qui vivent dans un autre univers. Mais par contre, je crois que vous avez dit que parfois il faut choisir entre vivre et écrire. Ouais, certain qu'on ne peut pas trop faire les deux en même temps. On peut vivre de temps en temps, c'est pas interdit, mais écrire, non, on peut pas vivre, des choses importantes en même temps qu'on écrit un livre, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que le livre est trop prenant. Enfin, on est trop dans le truc, quoi. Donc faut limiter la vie extérieure, faut limiter la vie, quoi. Faut s'imiter à des fonctions de survie. Mais bon, c'est pas si grave, enfin. Que de ne pas vivre pendant un moment? Oui. On a le droit de recommencer après, et puis de toute façon... De toute façon, il n'y a pas tellement... Je sais pas, c'est un destin, quoi. Je suis bon pour ça, qu'est-ce que vous voulez, je... Peut-être meilleur pour ça que pour vivre, enfin j'en sais rien, mais c'est un choix qu'on fait de bon cœur. On n'a pas du tout le sentiment de sacrifier un truc, quoi. Votre famille ou votre couple, si vous en avez, ils doivent trembler, non? Quand ils voient que vous allez commencer à écrire, parce qu'ils vont vous perdre. Pas tellement, parce que ça se passe la nuit, entre... minuit et 6 heures du matin, que une heure où la plupart des gens dorment. Donc ça se voit pas tant que ça. Et c'est une deuxième vie, ouais. Je vais vous redemander ça. Comment est-ce que vous écrivez, vous? Qu'est-ce que vous faites comme horaire? Oui, minuit, 6 heures à peu près. Enfin, disons plutôt, ça dépend maintenant, je suis plus vieux, 2 heures, 8 heures. Du matin. C'est un moment où le monde... Les gens dorment, quoi. Moi, je travaille pendant que les gens dorment. Vous aimez cette sensation? Oui. Et pourquoi? Quelle est la raison ultime de l'écriture? Pourquoi est-ce que vous écrivez? Je sais pas. Enfin, je dirais parce que j'aime énormément lire. C'est ce que, depuis que je suis enfant, depuis tout petit. À un moment donné, je me suis senti digne de faire la même chose, quoi. Mais c'est ce que je respecte depuis toujours, en fait. J'aime beaucoup la musique, le rock surtout. Mais au fond, mon grand amour... Donc, mon Dieu, oui, parce que je me suis senti digne de le faire.
C'est beau parce qu'on voit vraiment que vous trouvez le bonheur dans la littérature. Ah oui, oui. Ah ben certainement, si j'avais pas commencé à écrire, je serais déjà mort. Alors. Ça, la vie me déprimait trop. Quoi. Je ne pourrais pas plus continuer. Avoir un emploi normal. Non, je serais mort. Là. Trop désespérant. Non, la littérature m'a sauvé la vie, ouais. Oui, carrément. Je peux le dire aussi clairement que ça. Là, c'est vraiment une question. À cet extrême. Oui. Oui, oui, j'aurais mort si j'avais pas été publié, ouais. J'avais pas d'autre issue. Et quand est-ce que vous avez ressenti que vous étiez sauvé? Ben, quand j'ai été publié, tout de suite, ça m'a sauvé. Tout de suite, trouver des lecteurs, peu, mais peu importe. Au début, même entre zéro lecteur et un, il y a une différence abyssale. Donc, j'en ai eu tout. Mon premier livre a été publié, peut-être acheté à 100 exemplaires, mais c'est déjà énorme. Ça changeait tout. Est-ce que si vous n'étiez pas publié, vous aimeriez autant écrire? Je sais pas. Je peux pas difficilement. Difficile de répondre honnêtement. On n'écrit pas pour être publié au départ. Hein. Mais si à un moment donné, la vanité intervient. Donc si les gens ne s'intéressent vraiment pas du tout à ce que vous faites, à ce que vous continuez, je sais pas. Il y a des cas contradictoires en littérature. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Enfin, certains de mes auteurs favoris n'ont jamais été publiés de leur vivant. Saint-Simon, j'aime beaucoup. Mais... Donc peut-être que oui, mais pas sûr. Je suis quand même vaniteux et j'aime être aimé, qu'on me dise bien ce que vous faites, etc. Donc je sais pas si j'aurais continué sans tes aiguillons de vanité. Je disais avant, vous êtes un personnage très polémique, mais vous êtes aussi un personnage très aimé. Vous avez cette sensation? Oui, je fais partie. Oui, oui, il y a des gens qui m'aiment beaucoup. Ouais. Ben, ça, c'est pas. À la limite, c'est. Ça, c'est bien qu'on vous aime. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Pour révéler des vérités, etc. Dire les choses telles qu'elles sont, ça devient une espèce de devoir. Mais enfin, bon, je... Oui, on m'aime, ouais. Mais vous le sentez comme ça, vous? Votre écriture, vous sentez qu'il y a un devoir derrière ça? Non, ça, c'est l'aspect désagréable. Oui, mais oui. Mais vous avez réclamé parfois votre droit à ne pas être engagé. Le droit oui, à être irresponsable. L'engagement, c'est un peu un épiphénomène, enfin, mais c'est pas le fond du truc. Mes lecteurs, les vrais, s'intéressent pas à mes opinions. Enfin, c'est pas le sujet. C'est une vision du monde. Mes opinions seraient très importantes si j'étais quelqu'un de différent, mais là, c'est pas mes opinions qui sont importantes. C'est une manière de voir le monde et de... Et donc mes lecteurs attendent avec impatience de voir sur quoi je vais porter mon regard. C'est le regard qu'ils aiment. Ils attendent avec impatience pour qu'il soit le prochain sujet sur lequel je vais porter mon regard. Là, il se trouve que c'est un sujet très polémique, mais ça peut être un sujet moins polémique. Mais c'est un certain... Je sais pas, c'est... En même temps, c'est super simple, mais... Ce qu'on cherche dans un auteur du passé, considérez-moi comme un auteur du passé, pour simplifier, mettons que je sois mort, et... c'est une certaine vision du monde qu'il avait. Et donc, par sa vision, en même temps, on reconstitue le monde, qui était celui de son époque et de son pays. Mais c'est par une vision.
que vous préparez un prochain roman? Pas du tout. Rien du tout? On prépare rien du tout. Mais il y en aura plusieurs? Vous verrez. On verra. Il faut être patient. Il faut juste que vous ayez plus envie d'écrire que de vivre. Oui, mais ça, c'est pas vraiment le problème. Je sais pas, c'est gentil hein, de me poser la question, ça montre qu'on s'intéresse à moi, mais j'ai écrit pas mal de livres. Vous trouvez que vous en avez déjà assez écrit? Oui, mais en même temps, pas plus que cette fois que la dernière. C'est une question de... C'est deux plusieurs questions, en fait. Question d'écrire et question de publier sont... On finit toujours par faire des trucs publiés après sa mort, quoi. Vous avez un tiroir avec des trucs à publier après votre... Donc, je suis un homme moderne, j'ai un disque dur. Tu les posthumes. Donc, il y aura ça? On doit attendre des publications après... Mais bon, j'ai pas dit que je ferais rien de... Je publiais plus rien, mais disons que je commence à penser au truc qu'il vaut mieux faire après sa mort. Si je peux oser l'expression, parce que... Je pense que les éditeurs publieront ça avec enthousiasme, des trucs posthumes. C'est pas pareil, en même temps, c'est moins... C'est moins funky. Mais il y a une raison pour attendre à la publication de certains ouvrages? Mais je sais pas, c'est... Vous êtes très gentil, hein, mais... C'est parfois fatigant de publier un livre. Enfin, disons que parfois, l'envie d'écrire est une chose, l'envie de publier est une autre, quoi. Enfin, l'envie de publier, de faire connaître le public est une autre, très différente, et l'envie d'écrire peut persister et l'envie de publier diminuer. Le cas s'est déjà produit. Bon, il y a un désir hein, d'être célèbre, mais tout ça, mais c'est différent du désir d'écrire. C'est un autre désir qui superpose. Mais en fait, vous êtes célèbre parce qu'on parle de vous. On utilise un mot qu'on n'utilise d'habitude pas pour les écrivains. On parle de la star, Houellebecq. Je suis une star, oui. Vous êtes une star? Oui. En tant que bon, si j'examine ça d'un point de vue général, c'est très bien qu'un écrivain soit une star. Hein. Moi, je trouve que la littérature, c'est mieux que le cinéma. Donc c'est bien que des écrivains soient des stars. En même temps, c'est pas vrai que la littérature, c'est mieux que la musique rock. La musique rock a été extraordinaire. Mieux que la littérature ou dans un même plan? Au XXe siècle, la musique rock a été mieux. Donc ce soit très bien qu'un écrivain soit une star, dans le principe. C'est tombé sur moi, alors est-ce que c'est justifié ou non? Plus ou moins. Je suis bon, mais enfin bon. Mais il y a d'autres écrivains qui sont bons et on les appelle pas des stars. Non, pourquoi vous? Écoutez, je sais pas. Vous êtes dans les médias, vous êtes mieux à même de répondre que moi. Pourquoi? C'est vous qui avez fait de moi une star. Les médias. Mais en tout cas, vous êtes content d'être une star. Ça dépend des jours. Disons qu'il... S'il faut des stars au monde, pourquoi pas moi, enfin. Houellebecq ha venut els drets de la novel·la a 37 països i 500.000 exemplars només a França.